Allez, c'est parti. À 17 ans, c'est sa première sélection en équipe de France pour les championnats d'Europe d'athlétisme en e-sport. Alice Mété, originaire de l'Indre, enchaîne pendant 3 jours à Blois, séances de musculation et travail sur piste, avec 2 autres athlètes, la championne paralympique Marie-Amélie Le Fur et Valentin Bertrand. Un stage encadré par le coach du Pôle Espoir de Saint-Cyr-sur-Loire. Il faut savoir qu'Alice s'entraîne entre 4 et 5 fois par semaine sur le pôle depuis le mois de septembre. Qu'elle a une progression qui est justifiée, hein, parce qu'elle a quand même des qualités physiques qui lui permettent de pouvoir faire ses performances. Et maintenant, on se prépare pour ces championnats, pour qu'ils se passent le mieux possible. Voilà, c'est bien mieux. Voilà. C'est difficile, j'ai pas mal galéré, j'avoue que c'est dur. Mais voilà, on a l'équipe qui se soutient pas mal. Donc on peut s'entraider, en plus vu que je suis une petite jeune et que je suis avec en ce moment Marie-Amélie et Valentin Bertrand qui connaissent déjà, ils m'aident beaucoup, ils me parlent, ils me soutiennent. Donc c'est dur, mais on s'entraide et ça c'est sympa. Alice participera aux 100 et 200 mètres à Berlin fin août, Marie-Amélie au saut en longueur, une championne paralympique qui partage son expérience avec la jeune athlète. Je lui fais confiance sur le fait qu'elle ne se satisfera pas d'une sélection. C'est ça en fait, c'est ce qui est important sur un profil jeune comme ça, c'est de se dire mais ma sélection je l'ai eue, ma saison elle est terminée. Non, ta saison elle se terminera quand tu feras ta finale et que tu auras vraiment atteint cet objectif là. Je suis très contente parce que c'était mon objectif de la saison, mais c'est pas mon objectif au final. Moi je vise plus haut, donc oui, je vais pas m'arrêter là. Enfin, je vise quoi? Je vise Paris 2024 si possible.